Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Voilà une émission Moseka Malheur Moderne Beauté. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc des légumes farcis à la morue et à la tchéké. Les lots dans mes légumes oyo, aubergine, courgette, na poivron. Je tiens à kati makayabu. Na atieke o ezalo kwa manioko couscous a manioko ya bande ko biso ba ivoirien. Un petit clin d'œil à tous les ivoiriens qui me suivent. Je vous aime beaucoup et je visite tous les plats pour pouvoir goûter et pouvoir inclure les recettes ivoiriennes ou d'ailleurs dans mes propres recettes. Voilà, donc tout de suite sans plus tarder, nous allons voir les ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette recette. Voilà. Avant de présenter le reste des ingrédients, j'aimerais m'attarder sur la morue que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà. Donc c'est de la morue, on va dire c'est des filochés de morue. Donc des petits morceaux sans arête, mais ce n'est pas des salés. Voilà, donc comme au magasin j'ai pris ça dans un frigo, donc je l'ai ramené dans mon congélateur. Et donc ici je vais dessaler la morue selon la méthode de ma vidéo comment dessaler du poisson salé pour les nuls. Donc je vais ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ici on prend une bassine, donc référez-vous à cette vidéo. Voilà, je vais ouvrir, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est des petits morceaux comme ça, il n'y a pas d'arête. Moi j'utilise ça parfois pour faire des acras, donc des beignets de morue, ou pour faire des farces. Pour ce cas-ci, on va utiliser pour la farce, et j'utilise également pour faire du riz à la morue. Voilà, je vous montre. Donc d'abord on va une première fois mettre de l'eau, puis rincer, et ensuite on va laisser tremper et changer l'eau toutes les 2 heures ou toutes les 4 heures. Voilà. Voilà, et c'est parti. On est donc à l'étape où on va dessaler la morue. Vous voyez, c'est des morceaux, il n'y a pas d'arête. Parfois les gens trouvent ça cher, mais franchement, comme on a un produit fini sans arête ni peau, en ayant pris la version où il y a la peau et des arêtes, en enlevant tout ça, on aurait obtenu qu'une toute petite quantité. Donc finalement, c'est pas si cher. Voilà. Réaliser ces légumes farcis à la morue et à la tchéké, nous aurons besoin de légumes farcis, les légumes de votre choix. Moi ici j'ai une courgette ronde, j'ai une aubergine et un poivron jaune. Voilà, donc j'ai pris ces légumes là, vous pouvez faire aussi avec de la tomate, avec ce que vous aimez. Voilà, ici on a notre morue, celle que je vous avais montrée précédemment, donc elle a été dessaler correctement, donc c'est des filets, c'est effiloché comme ça. Voilà, on a du persil, une petite pointe de persil coupée grossièrement, de la tchéké, une boule d'attiéké telle que c'est vendu ici dans les magasins exotiques, et directement après je vais la mettre à chauffer à la vapeur, 2 gousses d'ail concassées, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et un oignon rouge. Vous pouvez prendre une échalote ou un oignon nouveau, un oignon blanc, tout ce que vous aimez. Voilà donc des légumes, de la morue, du persil, de la tchéké, de l'ail, du poivre, de l'oignon, du sel et de l'huile. Avant de passer au fourneau, nous allons d'abord travailler nos légumes. Voilà, vu que je n'ai pas une grande quantité, je ne vais pas utiliser tous les légumes.
va essayer de se mettre dans le bon angle. On va procéder un par un. Ici, c'est comme on veut. On peut aussi bien couper comme ça. Couper en dents de scie. Pourquoi pas, on va couper en dents de scie. L'essentiel, c'est de l'ouvrir pour pouvoir créer un vide pour placer notre farce. Ok. Ici, on coupe en dents de scie, mais on aurait pu faire n'importe quel autre choix. Comme ça, on aura un petit chapeau. Voilà. Donc en dents de scie, ça donne ça. Ensuite, on va enlever les pépins, tout ça. Alors, pour l'aubergine, là, on va couper plutôt en deux, dans le sens de la longueur. Quand on fait ce genre de recette, il faut garder le plus de support possible. Ça peut aider pour pas brûler, pour pas perdre la forme. Donc ça, on va enlever, mais on va pas jeter. Ça va faire partie de la farce. Voilà, ça ici, on va travailler ça sous l'intérieur. On en aura besoin pour notre préparation. Voilà. Voilà, on fait un petit creux comme ça. Voilà. Ensuite, notre courgette. On peut faire simple, donc juste prélever le chapeau. Et puis, là, de nouveau pareil. Comme pour l'aubergine, on va aller la vider. Je vais prendre une cuillère, ce sera plus facile. Voilà. J'ai pris une cuillère à kiwi. Ça, c'est une cuillère qui sert à couper les kiwis. Donc, ça c'est très facile. Vous voyez, elle a des dents, hein, la cuillère. Vous voyez? Sinon, vous faites avec un couteau, ce que vous voulez. Quand on a des petits gadgets, vaut mieux s'en servir. Vous allez voir avec quelle facilité je vais vider ma courgette. Voilà. Donc, la cuillère à kiwi, c'est génial. Le contour, en tout cas, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, ce que je dois juste faire, c'est d'aller attraper. Vous voyez ça? Donc ici, l'intérieur, on va saler et poivrer. Hein. C'est important pour que ça ait déjà du goût. Voilà. Tout ça, on va pas jeter. Ça fait partie de la farce. Voilà. Donc, on a une courgette vide et le petit chapeau. Il va falloir, juste au moment de la présentation, faire tomber juste au bon endroit. Voilà. Donc ici, on va mettre du sel à l'intérieur. Ici aussi, on va saler. Je vais un peu vider aussi ça, parce que il y a un peu trop de chair. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc ici, on est bon. Ça, je vais hacher ces légumes là. Donc ici, ce que je vais faire, je vais saler poivrer ceux-là. Et donc ici, je vais épépiner ça. Juste pour une question d'esthétique, hein, c'est pas mauvais. Donc j'enlève les, je suis en train d'enlever les pépins ici. J'espère que je suis dans le bon angle de la caméra. Je vais vérifier. Ouais. Voilà. Ici, faut toujours veiller à ce qu'il y ait du goût partout.
Donc c'est pour ça qu'on va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Donc, un peu de sel. Comme ceci. Ça va un petit peu dégorger aussi, ça va créer un jus. C'est pas plus mauvais. Et également sur la l'aubergine plutôt. Maintenant le poivre, c'est le poivre du moulin, je préfère parce qu'il est le plus intense. Donc je mets un peu de poivre, un peu là, un peu là. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez, on a vidé nos légumes. Et voilà, ça donne ça. Voilà, maintenant, donc on va couper comme on peut. Voilà, rien ne se perd. Ce qu'on a enlevé à l'intérieur, là, on va le réutiliser donc pour notre mélange. Et voilà, donc on a récupéré donc la chair des courgettes, des aubergines. Et on embarque nos légumes vidés. On peut les laisser là parce que la cuisson se fait ailleurs. Je les laisse. Et nous passons tout de suite, sans plus tarder, au fourneau. Voilà, nous y sommes. On commence par mettre de l'huile d'olive. Pas trop, ni trop la faire fumer. Voilà. Ensuite, dès qu'on voit que c'est un peu chaud, on va commencer par nos oignons rouges. On va mettre un petit peu, hein. Peut-être encore un petit peu chauffé. Quoique c'est bon, ouais, ça chauffe. Donc oignons rouges, pas trop chauffé, hein. Donc comme ça c'est juste bien. Pas ça. Pour certaines recettes, c'est comme ça, mais là, c'est... On y va calmement. Donc, les oignons rouges. Donc, les oignons, quand ils ont commencé un petit peu à prendre, on les met par là de côté. Un petit peu revenir légèrement. Voilà, et maintenant ça va cuire ensemble avec la morue. On met la morue. Voilà. Et là on laisse cuire, on mélange tout en écrasant donc vraiment correctement la morue. Voilà, donc on a bien écrasé, on peut aussi le faire à la main, hein.
effilochés. Moi j'aime bien que les morceaux soient pas trop petits, c'est pas du moulu hein. Je vais mettre maintenant de l'ail, du persil. J'ai déjà goûté un peu, le sel pour moi c'est bon. Donc je vais en mettre un petit peu parce que moi je mange très peu salé, donc je trouve que les autres gens. Donc je vais mettre un petit peu, chouïa. Et là, un peu de poivre. Au moment où on met l'ail et le persil, il ne faut plus cuire grand chose. On va éteindre parce que ça va cuire encore au four. Voilà, le poivre. Voilà, donc notre farce, elle n'est pas complète, il manque la tieké. On va ajouter. Je vous montre ça. Donc c'est la morue. Voilà. On passe à l'étape suivante. Ah, donc là j'ai mis la moitié de la tieké. Je commence avec la moitié. Après je vais goûter, je n'ai pas envie que ce soit non plus dominant. Là nous avons notre mélange de morue. Maintenant, il faut mélanger correctement, goûter, rectifier l'assaisonnement. Si on aime le piment, un peu de piment, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Maintenant, on mélange. Voilà, donc le mélange est bon, j'ai goûté. Pour moi, il ne faut pas rajouter ni sel, ni rien d'autre. Maintenant, on va farcir les légumes. Voilà, je commence par la courgette. Le poisson salé et le manioc, ça se marie super bien. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre de la tieké comme farce. Parce que ça rappelle un peu le goût de la chikwang. Voilà. Il me reste une demi-aubergine que je vais farcir hors caméra, hein, comme ça on gagne du temps, on va pouvoir mettre au four. Donc maintenant pour la cuisson au four, vous connaissez ma méthode depuis le temps, donc je préfère emballer les légumes individuellement. Ok, donc je vais prendre d'abord l'aubergine ici, je vais mettre dans du papier sulfurisé. Je vais me mettre là comme ça, vous voyez. Voilà, je mets du papier de sorte que en fait la nourriture ne soit pas en contact avec l'alu. Puis j'emballe avec de l'alu, c'est pour un petit peu solidifier tout ça, c'est beaucoup plus solide. Le papier protège en fait. Voilà. Pour des raisons de choix personnel, je ne chauffe pas l'aluminium directement en contact avec la nourriture. Pour moi, c'est pas bon. Donc si vous le faites, c'est votre choix. J'ai déjà expliqué à maintes reprises, mais comme souvent, quand on apporte des explications, ça apporte aussi des querelles. Je préfère pas. Voilà, donc j'ai mon poivron.
je vais prendre à nouveau du papier. Moi, je le frotte pour avoir plus facile à le manipuler. Je vous montre. Il ne faudra pas beaucoup d'alu. C'est juste pour rendre un peu plus solide. Voilà. Mon poivron est là. Voilà. Et le dernier, c'est donc la courgette. Je vous montre, comme il me reste la moitié du papier. Donc c'est vraiment pour protéger. Et c'est l'aluminium qui fera le reste pour solidifier. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié mon petit chapeau. Ok. Avec le chapeau. Qui cuise aussi. Et voilà. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Je vais mettre un petit fond d'eau ici avant d'enfourner. Donc je mets un peu d'eau et je vais mettre ça au four. On se retrouve après la cuisson. Voilà. Voilà, c'est prêt. C'est sorti du four. Bon, je vais vous montrer de très près l'aubergine, la courgette. Vous voyez l'intérieur? Voilà. Le poivron. On peut le mettre comme ça. Et voilà, donc ici, je vais goûter. J'ai une autre aubergine, donc pour faire un autre dressage, ça va être évident. Voilà, on goûte. C'est très très bon, très agréable. Ce plat a vraiment du caractère. La tieke, une fois cuit au four, est un peu ramolli. Ça rappelle un peu la chikwang. C'est très bon. Merveilleux. Voilà. Notre plat est prêt. On peut présenter un légume à la fois. Ici, j'en ai fait trois sortes, mais vous pouvez présenter, par exemple, une assiette avec que l'aubergine. Pourquoi pas une petite salade à côté? Moi, je propose ça en entrée. Donc, c'est une entrée pour moi, mais un seul légume dans l'assiette. Ici, je vous ai mis les trois pour vous montrer la proposition du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Essayez chez vous. Vous pouvez faire des modifications à votre guise. Et l'émission Monseca de Malheur Moderne vous dit... Au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui donne l'émission Monseca de Malheur Moderne. Break, the shadows start to fade.